Liverpool étudie la possibilité de recruter un nouveau latéral gauche en janvier et a pris contact avec Fulham pour discuter de la disponibilité d'Anthony Robinson. Andy Robertson et Kostas Tsimikas sont tous deux blessés en ce moment, ce qui oblige Joe Gomez à couvrir le côté gauche de la défense. En fait, Liverpool n'a même pas de défenseur central gaucher qu'il puisse pousser sur ce côté. Andy Robertson pourrait encore être absent pendant un mois et Kostas Tsimikas n'a pas encore de date de retour. Par conséquent, Liverpool pourrait être contraint de recruter un nouveau latéral gauche en janvier. Selon 90 Minutes, l'un des joueurs pour lesquels ils ont manifesté leur intérêt est Anthony Robinson. Le rapport affirme que Liverpool a contacté Fulham pour savoir si la star de l'USMNT pourrait être disponible en janvier, 6 mois seulement après avoir prolongé son contrat à Craven Cottage jusqu'en 2028. En outre, Anthony Robinson serait ouvert à l'idée de rejoindre Liverpool, mais il pourrait avoir à travailler plus dur sur les négociations avec son club que sur les conditions personnelles. Anthony Robinson est régulièrement titulaire à Fulham, le seul match de Premier League auquel il n'a pas participé depuis le début de la saison est celui où il a eu des problèmes musculaires. Lorsqu'il est disponible, il a participé à la plupart des actions de Fulham, délivrant 4 passes décisives en 21 apparitions en Premier League et en Carabao Cup. À l'âge de 26 ans, un transfert à Liverpool serait la plus grande étape de sa carrière jusqu'à présent. Le rapport n'indique pas clairement s'il s'agit d'un transfert permanent ou d'un prêt. Il est intéressant de noter que Anthony Robinson est un ancien jeune joueur d'Everton. Il n'a cependant jamais joué pour l'équipe senior avant d'être vendu à Wigan Athletic en 2019 après un prêt. Anthony Robinson n'a passé qu'une saison en tant que joueur permanent des Latics, manquant un transfert sensationnel à l'AC Milan en janvier 2020, avant que Fulham ne le fasse monter en Première Ligue cet été-là. Son palmarès sous les couleurs de Fulham compte 128 apparitions, 3 buts et 9 passes décisives. Il a également été sélectionné 39 fois par son équipe nationale, avec laquelle il a marqué 4 buts. Anthony Robinson n'a encore jamais participé à une compétition de l'UEFA, mais Liverpool pourrait lui donner l'occasion de le faire s'il le recrutait. La question est de savoir quelle place il occupera dans la hiérarchie de l'équipe une fois que Andy Robertson et Kostas Tsimikas seront remis de leurs blessures respectives. Andy Robertson, le titulaire habituel, est encore sous contrat jusqu'en 2026 dans le Merseyside. Kostas Tsimikas, quant à lui, a prolongé son contrat jusqu'en 2027 en septembre. Certes, Andy Robertson aura 30 ans l'an prochain, et Liverpool pourrait donc songer à lui trouver un successeur à long terme, ce que pourrait théoriquement être Anthony Robinson. Une autre solution, peut-être plus simple, consisterait à rappeler Owen Beck, prêté à Dundee en Écosse, afin de remédier à la pénurie d'arrière-gauche. Les choses se sont bien passées pour Owen Beck jusqu'à présent pendant son prêt, et Liverpool devrait donc peser soigneusement le pour et le contre d'une résiliation par rapport à ses besoins et à son développement.